Mes amis, soyez les bienvenus dans ce stream ou dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va bosser sur Zelda A Link to the Dream. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas bossé dessus. Alors, je suis en vocal avec Bimbin qui doit nous entendre. Salut Bimbin. Bimbin qui bosse sur le donjon 4. Alors, j'aurais dû ouvrir le donjon 4 du coup. J'ai ouvert le donjon 7 pour illustrer parce que c'est mon donjon préféré. Mais voilà, ça c'est le donjon 4 que vous reconnaissez peut-être avec de l'eau partout. D'ailleurs, il était stable le donjon. T'es stable, ouais, genre si je veux le montrer aux gens. Tiens. Ouais. Ok, on verra. Éventuellement. Ouais, j'ai vu un problème de mapping là, je sais pas si tu regardes le stream. Ok. Donc, en tout cas, de mon côté, ce soir, je voulais avancer un petit peu dans les issues qui me sont assignées. Les tickets, plutôt, en français. Alors, les voici. J'en ai quelques-unes. Je vais commencer par ça, en fait, ça devrait aller vite. On s'est dit que le HUD, il prenait trop de place. Et surtout, notamment, le moyen le plus facile de gagner un peu de place sans tout casser, c'est d'enlever le bouton pause du HUD parce qu'en fait, il sert pas à grand-chose. Donc, je vais vous montrer en jouant ce que ça donne. Si j'arrive à lancer le jeu. Ah oui, c'est bon. Je voulais d'abord baisser le son, mais j'ai raté mon coup. Voilà. Après nous, le son, on l'entend pas. Sur Twitch, t'entends pas le son? Du jeu, non. On n'a pas la musique Je ni l'ai le son du jeu. pas mis très fort, mais vous devriez entendre. Attends, je vais vérifier. Alors, je suis sourd, mais quand même. Non, non, là, ouais, je n'entends rien du tout. Par contre, je t'entends bien, toi. C'est déjà ça. Et là, vous entendez le son du jeu là? Et là, Benjamin, t'as le son du jeu là? Tu l'entends? Oups. Pas du tout. Attends, parce qu'il faut que je garde le focus aussi, sinon il se coupe. Ouais, c'est bizarre. Bon, après, c'est pas grave, c'est pas gênant. Alors moi, je l'entends là. Et OBS me dit que. Qu'il est bien diffusé. C'est ça que je comprends pas trop. Ouais, c'est bizarre. J'entends vraiment pas le son, moi. Ah, attends. Là, il y en a. C'est bon en fait. Ah, ok, cool. Voilà, donc le HUD, il est un peu encombrant là-haut. Il y a le bouton pause et il y a les trois icônes. Donc je vais juste enlever le bouton pause et du coup remonter les trois icônes.
Enfin, quatre icônes, parce qu'il y a aussi l'icône d'action qui apparaît de temps en temps. Voilà, là j'ai l'icône d'action qui dit soulever. Donc ça devrait être plutôt facile de changer le HUD. Alors dans HUD config, c'est là qu'on a tous les éléments du HUD, donc tiens d'ailleurs la barre de magie a été enlevée. Y a pas de magie dans ce jeu. Y a pas de barre de magie en fait Ah bah dans non. A Link to the Dream. La baguette de feu, tu peux l'utiliser de manière illimitée, sans magie. Il y a un fichier magicbar.lua qui sert à rien, qui est pas utilisé du coup. Moi, Tout à fait, ouais. Non, y a pas besoin. je vais le supprimer, hein. Vas-y, fais péter. Donc l'icône de pause, je vire aussi. Et puis après, tout ce qu'il y a... Bah, c'est tout en fait. Et après, tout ce qu'il y a à faire, c'est changer les coordonnées des autres icônes. C'est tellement beau. Ah, il est quand même référencé dans HUD.lua aussi. Parce qu'on a du code assez crade qui va s'amuser à modifier la position de l'icône pause dynamiquement. Quand on est dans des dialogues par exemple, donc faut que j'enlève tout ce code. Je pense que c'est bon. Par contre, le jeu est super lent à lancer l'écran titre, je sais pas pourquoi. Enfin. Ah non, mais c'est parce que j'ai un bug. Non, ça va être mon problème de la mauvaise version de SDL. J'ai rien Ouais, dit. parce que j'ai pas trop de problèmes de mon côté. Ok, donc on va remonter les coordonnées de toutes ces icônes. Item, item, attaque et action. A priori, c'est les quatre là.
Ah bah voilà, ok, c'est fait, ça marche. Ça fait bizarre, mais ça marche. Attends que je regarde, bouge pas. Ouais. Est-ce que tu peux aller dans la grotte des Moblins? Parce que, en fait, dans la grotte des Moblins, il y a une porte en haut à gauche. Ce qui passe sous le HUD. Pour voir ce que ça peut donner. Pas si tu vois où c'est. Ouais, je sais où c'est. Oula, pourquoi il y a un... Ouh, ça rame. Ouais, il y a... C'est dans la forêt, il y a un bug à cause d'une pierre. Il a repéré ce bug, il faut que je le... Ok. C'est un peu plus à l'est. C'est juste à l'est, là. C'est la porte, excuse-moi. Oula, j'ai mal. Qu'est-ce qu'il faut que je cherche? Ouais, la porte, là. Juste la porte là, sur la première salle. En haut à gauche. Ouais, elle est sous le HUD. Ouais, elle Ouais, était ça un va, peu c'est... trop cachée par le HUD, quoi. Après, quand on s'approche, Ouais, le mais HUD là, ça devient va. transparent. Mais maintenant que j'ai Ouais, remonté, c'est... faut que je change le seuil, parce que là, il devient transparent beaucoup trop tôt maintenant. Tout à Faut fait, que je ouais, change les c'est... coordonnées Effectivement. de ce système. C'est le bon test, en fait, parce qu'effectivement, c'est l'un des rares cas où on a une porte, là. Ça doit être cette transparent alors. Ah, c'est plutôt ça, je pense. Voilà. Donc c'est ici le seuil. Ça a pu être 72. En fait, j'ai tout décalé de 20. Combien déjà? 26? Non, 22. On se fait 50. Ok, bah je pense que c'est pas mal. Magnifique. Et apparemment, il y a le même système près des cœurs. Les cœurs? Ouais. Si je suis trop près des cœurs là-haut, ils En haut à deviennent droite, ouais. légèrement transparents aussi. Ok. Et triche, ouais, voilà, c'est là. Ouais. Ok. Bah c'est cool. Finalement ça a été vite en fait. Je pense que c'est pas aussi simple. Ah bah le HUD, il est bien fait maintenant. C'est des composants relativement indépendants les uns des autres. Ah c'est cool.
tu t'amuses. Ah ouais, il faut, hein. Là qu'on voit les bugs. Cool. Ok, bon ben on va déjà commiter ça. Bon, du coup, je te fais des merge requests à chaque fois. Ouais, fait des merge requests, ouais. Tout à fait. Y a déjà une en cours de Phoenix là. Il y a depuis 6 mois. 6 mois, ben d'accord. Ouais, c'est le son truc de Sizio qui est en work in progress. Alors. Ah ouais, mais ça, c'est juste un truc chaud, ça. Je pense pas évident. Bon, ça marche pas trop mal quand même. Mais... C'est un boulot monstre. Pam 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 pam. Ok, merge vers dev, ok. Voilà, bon bah ça se fait. C'était facile. Animation du Merci pour ça. petit cœur dans le jeu de la pince. De rien. Quand on entre dans la maison du jeu de la pince, le petit s'anime comme s'il tombait. Je pense que tu voulais dire le petit cœur. On Ouais, va c'est regarder ça. pardon, ouais. C'est Ouais, pas merde, grave. excuse-moi. Non mais t'inquiète, c'est compréhensible. Ouais. Le petit cœur. Ouais, non, c'est un truc chiant, c'est un pickable en fait. Et le pickable, celui-là par défaut, il s'anime, je crois. Et On va enfin, trouver je une me demande s'il solution. faudrait. Enfin, je me demandais s'il fallait pas faire un autre pickable en fait, que ça s'anime pas. Enfin, je sais pas trop. Moi, dans tous mes jeux, je les ai en double, les cœurs, parce que justement, selon comment ils apparaissent, des fois on a envie qu'ils fassent l'animation et des fois pas. Bah voilà, c'est ça la problématique, quoi. Comment il s'appelle en anglais ce jeu déjà? En anglais, ce jeu? Crane Game, ouais, le jeu de la grue. Ah oui, j'ai compris le projet. Into Ouais, ça va, je sais. C'est moi qui l'ai inventé ce titre, alors. Ouais, c'est vrai en plus. Super titre. Titre qui spoil un petit peu, mais c'est pas grave. En Ouais, même temps, c'est. ça spoil J'ai le scénario d'un regardé, jeu tu sais, qui date de 1994. j'ai revu la bande-annonce de Link's Awakening là, sur Switch. Mais en fait, ils spoilent trop le jeu, quoi, ça, dans la bande-annonce. Ils montrent Ok. directement, tu sais, l'endroit où il est dans le Temple du Sud avec Ah oui, bah oui. le marbre et tout, et ils disent La meilleure si Mickey musique a un du rêve jeu. et tout, quoi. La meilleure musique du jeu. Mais ouais, et puis le gros spoil, en fait, quoi. Direct, quoi. Rien à foutre. Dommage pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, quoi. Bon. Tiens, ça donne envie d'écouter la musique de le remix de Marine du Ah. Temple du Sud qu'on a mis dans ZSDX. Fort. Je vais vous trouver ça. Trop fort, trop fort, trop fort. Tierce Picard sur YouTube, Southern Shrine. Voilà, j'espère que c'est pas trop fort. Moi j'ai coupé le son du Twitch donc C'est pas que grave. je En même t'écoute temps, via Discord. tu m'entendrais en double, alors ce serait pas top. Ah donc je préfère t'entendre en direct. Ok.
Attends, il y a un truc que j'ai oublié dans l'autre branche. Non, c'est bon, j'avais supprimé le fichier depuis l'arbre ici, donc ça a bien mis à jour les métadonnées. J'ai rien dit, tout va bien. Ok. Par contre, vaut mieux que je ferme mon éditeur et que je le rouvre à chaque fois que je change de branche. Ouais, ça peut avoir des problèmes assez conséquents. Ok, je vais sauvegarder ici. Ah, effectivement, il a l'animation qui bouge. J'avais pas repéré. Ouais, je l'ai repéré qu'après moi aussi, Non, enfin. c'est bien, t'as le sens du détail. C'est des petits trucs, ouais. Tiens, c'est bizarre ce machin. Mais en fait, j'avais pas remarqué tout de suite, hein, donc c'est pas très, c'est un détail quoi, vraiment minime quoi. En fait, si on pose un, je sais, avec un, de poser un cœur sur une map n'importe laquelle. Sinon, avec une custom property, on pourrait pas se faire des merdes avec ça. Non, je Genre pense qu'il y a même encore plus simple. Attends, là, je vérifie ce qui se passe sur une map normale. Le nombre de trésors qu'il y a dans le jeu. Ouais. Ouais, je crois qu'il y a quasiment tout là. Parce qu'en fait, quand un pickable est posé sur une map, il a quand même déjà pour propriété de ne pas être en train de tomber, contrairement à quand il vient d'un ennemi. Et ça, Ah on oui. peut le savoir, cette info-là, depuis le Lua. Donc, mon idée, c'est juste que s'il est pas en train de tomber. Ouais, là, il y a l'animation qui bouge, mais il était pas en train de tomber. Eh bien, on peut forcer sa frame d'animation à celle qu'on veut. En fait, c'est ici, c'est if get falling height est différent de 0, alors on lui donne le mouvement de chute. Ah, ça c'est pas idiot ça. Et si c'est égal à 0, c'est dans ce cas-là qu'on va juste mettre l'animation de déjà terminée, quoi. Ouais. Pas bête. Du coup, je pense pas qu'on ait besoin d'avoir deux items séparés. Suis pas trop Serait pas sûr encore, mal. mais. Il y a tellement de trésors, si on pourrait éviter d'en avoir un autre. Et ouais, il y a un paquet de trésors dans le jeu, c'est un truc de malade quoi. Alors, sprite, entities, items. Il n'y a plus beaucoup de trésors natifs du moteur. Plus ou moins tout détruit, Ben, je crois. ça veut plus grand chose, ça veut plus dire grand chose natif du moteur. Il n'y en a pas, enfin.
Non, mais ce que je On veux n'a pas dire, vraiment de que base. coder comme ce qu'on avait avant, quoi. Ah oui, ok, on a plein de frames en fait. Il y a 25 frames. Donc il Ah, suffit d'aller à la ça c'est frame l'héritage 24. de DX, hein. Oui, bah ça vient de On la Link to the Past. a récupéré Mais vraiment le truc là. ouais, ok. Donc faut que j'aille à la frame 24 et ça sera bon. Houhouhou. Get sprite, set frame 24. Bonsoir Silverus. Ok, donc pour lui ça se passe bien. Pour lui aussi. Par contre, s'il y en a qui vient d'un buisson, je pense que là il va être en train de tomber. Voilà. Là il bouge. Il bouge et il s'anime. Ouais, mais ça me choque pas en fait, ouais, du tout. Ouais, bah c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on C'est le veut. Hein. Ah, comportement le plus nickel, proche ouais. de Link to the Past. Il y a un petit problème avec l'ombre. Ouais, Ombre l'ombre qui de. s'affiche plus. Mais ça c'est un autre bug, c'est pas lié. Ombre de quoi, du cœur? Ouais, quand il tombe, on voit l'ombre. Pendant la phase où le cœur monte, mais plus pendant la phase où il descend. Tiens, ouais, c'est étonnant ça. Un Parce que sprite c'est le directement du moteur cœur, qui ça. l'affiche. C'est le moteur qui l'affiche quand il monte, je pense. Et après, le moteur il considère qu'il n'y a plus Parce que... besoin. Parce qu'il peut pas savoir qu'on ajoute une animation derrière. Il faudrait Donc on pourra rajouter l'ombre l'améliorer. dans l'animation, en fait. Ouais. Ça, on peut peut-être demander à Julien de faire ça. Ouais. Non, bah c'est pas Julien, faut faire du code qui ajoute un sprite d'ombre Mais à notre on a petit le cœur. sprite de l'ombre. On doit l'avoir quelque Ouais, je part. pense. On doit avoir des D'accord. sprites d'ombre génériques. Tout à fait. Shadow. On a un big et un small. Je pense que c'est le small. Bon, je vais essayer de le faire vite fait, ça doit pas être bien dur. Ah oui, mais alors du coup, il faudra quand même faire attention à ses coordonnées. Pas si facile. Ouais, je pense que je vais. Ouais, on va trouver une solution. Pickable Nice. Create Sprite. C'est pas si Entities, simple. Shadow. Remove sprite qui prend en paramètre un sprite. Ok. Donc déjà quand le mouvement est terminé, on va supprimer le sprite.
D'ailleurs, on va aussi le faire, le bring to back. En fait, on peut mettre un offset sur le sprite de l'ombre qui va en quelque sorte annuler le mouvement qui a été émis sur l'entité. On pourrait peut-être faire l'inverse, faire le mouvement que sur le sprite principal. Ouais. Ouais, c'est 7 XY. Ah, on peut faire un mouvement que sur un sprite. Ouais, mais si le sprite est dans une entité. Tiens, on va essayer, ça va être rigolo. Ça va peut-être tout faire crasher. Maison ouf, on est là pour ça. Donc j'ai commenté ce truc. Je suis pas très confiant là. On va voir ce qui va se passer. Faudra pas que j'oublie d'enlever le cœur que j'ai mis sur la map, qui est juste là pour tester. Déjà, ça a pas crashé. C'est bien. Mais ça fait les erreurs. Remove sprite. Ouais, pourquoi il m'a dit que le sprite n'appartient pas à cette entité? Je suis pas d'accord. Allez. Le jeu met beaucoup de temps à se lancer à chaque fois, mais je pense que c'est juste parce que le moteur est compilé en mode de debug. Donc, Ouais, c'est un peu plus lent, j'avais déjà fait ça une fois, c'est vrai que c'était assez lent. je vais en profiter pour recompiler le moteur en release, mais peut-être que dans 10 minutes j'aurai besoin de faire du debug dans le moteur. Alors, bon, on va quand même essayer. On va compiler en arrière-plan tranquillement. Alors. Bien sûr, il n'y a plus de cœur. Ah. Bon, ça fonctionne. Est-ce que j'ai encore les erreurs dans la console? Non, là j'ai pas d'erreur. Jeudi.
J'ai une erreur juste quand je ramasse le cœur avant la fin du mouvement en fait. Et parce que ça... Il n'a pas fini ce qu'il voulait faire. En fait, comme j'ai ramassé le cœur, il n'existe plus, mais Et donc, du coup, il rentre le plus. callback, le mouvement est quand même considéré comme fini. Et donc, forcément, ça marche plus. Ouais. Donc, faut juste dire if pickable. Alors, je crois que ça existe la fonction. Plus de cœur, je peux pas tester. C'est quand même un des objets les plus probables, hein, normalement. Ah, ça y est, il y en a. dans notre cas, je suis pas sûr qu'il y ait une histoire de probabilité, je crois que c'est. Je sais plus. Oh, bah si, Peut-être. on s'est pas amusé à mettre des trucs précis dans chaque buisson. Faudrait regarder dans random, script random. Attends, je regarde. Bon, en tout cas, ça fonctionne bien. Bush, trésor random. Donc, c'est bien une histoire de proba. Random wisher mais écran et random mais c'est plus ou moins la même chose. Ouais, c'est une chance sur 10 pour d'avoir un cœur. Ouais, enfin je crois que j'ai gardé effectivement les... ce qu'il y avait dans Mystic Solaris. Final. Ok. Je sais pas si on avait une issue Co-caravane. pour l'histoire du cœur, de l'ombre du cœur là, parce que moi j'avais déjà vu, ça c'est sûr, ça m'avait déjà dérangé. Donc, je vais regarder s'il Non, il n'y existe avait pas une. d'issue. Non, ok. Je te crois. Du coup, je corrige les deux Ouais, c'est bon. dans une seule. Ouais. Ah ouais, mais ouais. Je revérifie, mais je connais quasiment par cœur toutes les issues en fait. T'es un bon Je chef de cherche pas. projet. Ouais, je suis beaucoup. Je fous pas grand chose, mais je suis beaucoup. Ouais, non, non. Existence. Mais ça poutre ça. T'as encore corrigé ça. Closes 594. Et voilà, et Crois de qu'on deux pour ce peut soir. officiellement dire que le jeu du grappin est terminé du coup. Ah. Jeu de la pince. C'est vrai que j'avais passé quelques streams dessus. Hein. C'était pas Ouais, facile. putain. Il y avait eu des Tu bugs m'étonnes. d'ailleurs du moteur, ou je sais plus du jeu. Non, mais il y avait pas mal de petites choses à régler en fait. Ça s'est C'était pas fait. forcément. Il y avait des soucis avec les tapis roulants, je crois. Enfin, bon. Ouais, encore deux issues par rapport au jeu du pêcheur. Du jeu de la pêche. Fuite du Ouais. poisson non fonctionnel. Ouais, en fait, il fuit pas le poisson, je crois. Si tu attrapes un poisson, tu fais rien, en Ouais, fait, il est ça, censé se j'avoue. barrer au bout d'un moment, parce que tu Ouais, fais ça, on rien. l'avait pas codé encore. Mais ça, c'était pas collé du tout, ça, c'est sûr. Ouais, je t'avoue, effectivement, tes tickets, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, j'avoue. De quoi qui est pas le plus intéressant? Tes tickets sont pas forcément les plus intéressants. Ah non, la pêche, j'aime pas la pêche. Ah bah ouais, non mais t'inquiète. Mais là, mon seul Moi non plus. problème avec ce ticket-là, par exemple, c'est que Lequel? le sprite de Link qui pêche, il a des tas et des tas d'animations.
Et je sais pas à quel moment je suis censé les utiliser en fait. Bon, faudrait Alors demander Julien s'est à basé vraiment sur le jeu original. Julio. Donc je pense qu'il a dû voir le truc là. Et... Ouais. Ah ouais, les animations de Link, il a 15 milliards quoi. Phishing. Il fait tout. Phishing breaknet, phishing code crois fish. qu'il y a le... deux fois plus d'animation dans l'exodème que dans Mystery of Solace pour le héros. Ah ouais, il y en a plein. Hein. Ouais. Shinpu, long time, start type. C'est lequel que tu n'arrives pas à savoir ou à quel moment? Bah, j'essaie de me souvenir l'autre fois, la dernière fois que j'avais bossé sur la pêche, j'avais vu qu'il y avait plein d'animations, qu'il avait fait plein d'animations, mais je savais pas dans quel cas j'étais censé les déclencher, Ouais. et du coup, je suis pas sûr de les utiliser tous, toutes. Ouais, Donc, il faudrait pas après, non regarde, plus c'est qu'il pas ait fait du grave. travail pour rien, quoi. Le principal, c'est que ça soit beau, quoi. Ça, Ça c'est la marche meilleure bien, quoi. animation du jeu, par contre, celle-ci. De quoi? Laquelle? Le téléphone. Je suis en décalé par rapport à toi, alors. Le téléphone. À jouer. Ah oui. Putain, je l'ai vraiment demandé sur un coup de tête, celui-là. C'était vraiment un caprice. Ah, celle-là, c'est celle où il raccroche, ouais. Il doit y en avoir une où il décroche, par Et il contre. faut que je rajoute un petit son aussi, un petit clic en fait, mais faut Ouais. que je trouve. Il doit bien y avoir ça dans Link to the Past. Ah ouais, le caprice de merde quoi. Trop bien. Je trouvais trop bizarre qu'il téléphone, pour rien faire devant son téléphone quoi. Le téléphone il va être raccroché quoi. Je dis il faut qu'on change ça. Et il a pas mis longtemps à le faire, je crois que c'était une histoire de 1 heure quoi. En 1 heure, il avait torché le machin quoi. C'est un fou quoi. Ouais. Au top. Au Attends, je top. regarde ce que j'ai d'autre à faire. Ah, update Après, HTTP ouais, Tileset. Bon, je vais faire ça plutôt. Ouais. Après, je veux bien qu'on cause de la porte du château, finalement. Ouais, ok. Alors, si c'est faisable ou pas, c'est pas faisable, on laisse tomber, tant pis. Ça, là, c'est mon côté vraiment caprice aussi, en fait. C'est une petite merde. On voit le héros à travers le décor, mais je crois qu'on en avait déjà parlé. Je crois qu'on avait la même merde avec les arbres et tout. Et c'est pas forcément corrigeable. Ok, donc là le noir des arbres jaunes, effectivement, est pas tout à fait le même que celui des arbres verts. Et le deuxième bug de Tileset, c'est par exemple dans les grottes. Alors, Caves, Forest. Ah oui, c'est pas le même noir, ouais. Mais ça, tu vois, j'ai même pas, j'avais jamais calé, tu vois. Ouais, c'est que ce tile-là, en fait, il est faux. C'est Et vraiment du apparemment, c'est détail. des trucs qui sont maintenant corrigés dans le pack de ressources. Donc il faut juste que je mette à jour. Mais ça, on en avait parlé, ouais. Je me souviens de ça. Taille des grottes. Ouais. 659. Tiens, en fait, dans le chat, dites-moi si le son de nos deux voix est OK parce que j'ai oublié de vérifier. Dites-moi si Bimbin il est trop fort ou pas assez fort. Alors moi je pourrais pas te dire, mais... Je vais parler et dans 10 secondes plus tard je vais m'entendre peut-être. Ça m'a l'air ok. Y a quand même 7 mecs qui regardent. Ah mais les live making a Link to the Dream, c'est des streams qui marchent bien. Et les vidéos YouTube encore plus. Salut Phoenix. Parce que là, ça retransmet sur YouTube aussi?
Non, mais après, je mettrai sur YouTube, à moins que justement je me rende compte que la qualité est catastrophique. Genre, si tu parles beaucoup trop fort, ou si on m'entend pas, ou s'il y a un gros problème, je mettrai pas sur YouTube, mais entendre mal, je les mets sur YouTube, ouais. Point de vue sonore, les deux sons ont l'air corrects en tout cas. Ouais, j'avais oublié de bien vérifier. Mais apparemment, c'est bon. Alors, fichier importé. Donc, ce quête source ALTP pack, quête destination ALTTD. On va juste recopier tous les tilesets. Normalement, c'est les mêmes. Écraser, écraser, fermer. Ok, pas sûr que ça ait fonctionné. Je vois pas de différence là. Normalement, ça se met à jour tout seul. Alors là, ça a corrigé. La... Ouais, ça c'est bon. Ça leur va bien, les arbres. Les arbres sont bons, hein. Ouais. La même couleur, ce que je vois en tout cas. Mais la caverne, c'est pas bon. Ah si, c'est bon là. Ici. Après, c'était peut-être des problèmes de mapping, mais... Non, non, c'était mauvais juste avant, mais ça avait pas dû se rafraîchir. Ou alors j'ai mal vu. Parce que là, sur ce screen, c'était mauvais. Là, c'est mauvais, là. Simon. Et si on essaye de comparer. Beau. Ouais, là, c'est bon, là. Co-caravane. Ok. Jouer. Ah, c'était dur, hein? Après, c'est les broutilles. J'avais corrigé dans le pack de ressources et j'avais créé ce ticket pour être sûr de pas oublier de Oui, répercuter la bah oui. correction dans ton jeu. Voilà, après 6 ou 8 mois, je sais plus combien, c'est fait. Ouais. Excellent. Voilà, troisième merge request de la soirée. Ah non, j'avais pas. J'ai oublié de la faire la deuxième, non? T'as pas tout mis dans le même truc? Ah bah non. Là, t'as oublié. Comme ça, tu peux les. Ou les autres de l'équipe peuvent les tester et les Tout à vérifier fait. indépendamment si jamais ils veulent améliorer des trucs ou s'ils trouvent des problèmes. Tout à fait. Ouais, c'est celle-là que j'avais oublié de créer. Eh ben, c'est l'usine ce soir. Ah, ça va, pour l'instant, c'était pas trop dur. J'ai juste fait de la pêche qui Qu'est-ce m'emmerde. Donc ça, quoi? c'est bon. Le ticket concernant la pêche. C'est ce qu'il y a de plus long en fait. Alors, problème graphique au niveau de la porte du château cannulé. Ouais, alors ça, je veux bien C'est qu'on regarde. un petit détail qui a été créé il y a 2 ans. Et quand on va Ouais, près c'est de la porte vieux. du château cannulé côté jardin et qu'on brandit l'épée, on voit le héros à travers le décor. Ça se Ouais, voit alors surtout je quand sais. on est sur le côté de la grande porte. L'épée sort du décor. Ok.
Ouais, on va voir ce que c'est. Je suis sûr qu'il y a moyen Ouais, mais je suis sûr que c'est pas d'améliorer. résolvable. Je crois qu'on en avait déjà parlé. Ah ouais? Ouais. Ou alors, peut-être qu'il y a un truc à changer dans le moteur qui permet, mais j'en doute. Il y a les statues de Richard. Me souvenais Ouais, plus de ça. classe, hein. Trop bien. Ah ouais, le mec, il a un ego de folie, hein. Il a des statues à son effigie. Ça Cela sont vieilles, les semble statues-là. incroyable, mais avant, je vivais dans un château. C'est ça. C'est un mec qui se la pète un peu, tu vois. Ouais, mais quand j'étais petit, je me rendais pas compte que se la pétait. Je T'es trouvais un gros sympa, bourge. Du coup, ouais, mais ça, c'est une idée de Julien, ça, les statues. moi. Ouais, Ça je fait m'en doute. longtemps qu'elles y sont. Ouais, mais j'avais déjà dû les voir, même sûrement dans des streams. Dans mes streams, mais j'avais oublié. Mais ça, c'est genre le petit détail merdique, ça sert à rien, mais c'est beau. Alors, je pense que tu te mets là, ouais, de près de la porte, bute tes ennemis, peut-être. Ah, c'est chiant Parce qu'on que... appuie sur D et quitte pas. Ok, c'est bon. C'est ça, je pense, le problème. Putain, je suis en décalé, je vois pas ce que tu fais. C'est ça. Ça a été. Y a pas de screen dans le ticket, mais je pense que j'ai compris. C'est ça. Quand on est Mon sur le côté avis, devant une c'est pas porte. forcément soluble. Bah si, c'est hyper facile. Bah, à travers la porte, je suis pas sûr, hein. C'est genre le truc qu'on fait tout le temps dans les donjons en fait. Normalement, ça devrait être facile. Bah, sur le Donc dessus de ça la c'est porte, au-dessus oui, de mais à lui. travers la porte en elle-même, je suis pas sûr. C'est couche 2. Déjà, je peux prolonger celui-là un petit peu. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si je mets cela? Alors, si je mets cela à l'avant, il y aura... le problème c'est qu'il se chevauche avec d'autres. Si, jusque-là ça a l'air d'aller. Je pense que c'est bon. Tu verras toujours la black la l'épée à travers la porte, je pense. Je sais pas encore. Beaucoup moins déjà. À travers la porte elle-même, oui. Et voilà, ça à mon avis, ça c'est pas corrigeable, c'est un peu comme l'histoire des, tu sais, des arbres. Ça fait un peu bizarre là. C'est chelou. Dans le coin, on le voit aussi, ouais, un petit peu, ouais. Dans le coin, faut le vouloir. Enfin, honnêtement, Ouais, à la rigueur, ça c'est pas grave, mais après, à travers la c'est porte, pas c'est un pire peu que ce chelou. qu'il y a dans les donjons. Par contre, la porte là, ça fait moche. Ouais. C'est quoi cette porte Sinon, est-ce ici? qu'on peut pas s'en sortir en le mettant sur un niveau supérieur et un obstacle au niveau inférieur et quand la Ouais, mais porte est le truc, ouverte, c'est on que peut en tirer deux? quand on est au sud de la porte, il faut qu'on soit affiché devant la porte. Et quand on est au nord de la Ouais. porte, il faut qu'on soit affiché derrière la porte. Donc en fait, il faudrait que ça soit une entité qui s'affiche en Y order, là, tu sais. Comme les Ah statues. ouais. C'est un Donc, custom. Il va faire un custom de style. c'est un tile dynamique, donc je pense que ça devrait marcher si j'appelle cette Y order sur le tile dynamique. Déjà, je vais regarder si dans ce projet vous avez déjà du code pour mettre des entités en Y order. Ouais, c'est bien ce que je pensais. L'impression que vous avez une custom property draw in Y order qui sert déjà à ça. Mais ça marche peut-être que sur les custom. Ouais, parce que toi t'avais peut-être mis ça en place pour le grappin, peut-être, ouais. If self get property draw in Y order, c'est dans Dynamic Tile.
Tu vois, c'est déjà fait. Ah bah voilà. Il y a plein de. Qui c'est Il qui l'a y a fait plein alors? d'entités. C'est peut-être moi qui l'avais fait en fait. Je sais C'est plus. utilisé dans le donjon 2, dans le château Canulet. Justement, dans le château Canulet. Ouais, mais là c'était à l'intérieur du Ah, château le cannulé. château Canulet, c'est une maison, ok. Ouais, bah oui, en soi c'est une maison. Oui, c'est la C'est une maison de grande Richard, maison. pardon. Je pense que c'est ces statues-là, tu vois. Tu vois, il y a déjà tout le système qui est en place pour résoudre le problème. C'est trop bien fait. Tiens, mais je crois que c'est moi qui l'avais mis en place en fait ça. Ouais, c'est Ah possible. si les statues c'est moi qui l'avais mis en place. T'as dû suivre nos beaux conseils. Oh, il y a des chances, oui. J'avais déjà dû avoir le débat sur ces statues-là. Ça, c'est typiquement un genre de truc, effectivement, t'en as besoin un peu partout, et j'ai pas pensé à ça, en fait. J'ai vu En la fait, c'est le porte. même, En c'est fait, la j'aurais même pu le résoudre. problématique. C'est un obstacle. T'as envie qu'il soit affiché devant Link quand Link est au nord, ou derrière Link quand Link est au sud. Donc c'est exactement à ça que sert le Y Order. Tiens, depuis quand les ennemis peuvent nous pousser dans les téléporteurs? Oh, il y a des erreurs qui s'affichent là. Start Ouais, target walking. effectivement, c'est chaud ça. Ah, normalement, pendant l'état blessé, Alors on peut c'est pas un aller dans les problème téléporteurs. d'ennemi mis en place par Vlag peut-être, alors ouais, effectivement. Qu'il a pas fait gaffe à ça. Un problème à la fois, on verra ça plus tard. Ouais. Donc là, c'est bon. C'est Mais de la c'est bon de le triche. noter, peut-être faire un ticket du coup pour qu'on le retienne, parce que ça, à mon avis, c'est des trucs. Ouais. Je suis en train de me demander si c'est un bug du moteur ou du jeu en fait, parce que je me souviens pas vraiment avoir pris en compte ce cas-là dans le moteur. Et bon, on verra. De notre côté, je pense pas qu'on avait conscience de cet état en fait, donc je sais pas. Parce que je Pas suis sûr que sûr, quand on c'est un est petit bug. blessé, on est protégé contre l'activation accidentelle des télétransporteurs, mais là c'est pas blessé en fait, c'est repousser en donnant un coup sur l'épée du soldat. Ça se trouve, c'était oublié. Ouais. C'est le repoussage. Le repoussage. C'est cool la porte. Mieux qu'avant. Ouais, on peut le faire aussi avec tous ces tiles-là, ces quatre-là. Je pense que ce serait intéressant de le Pour faire. que C'est ça par contre, soit c'est pas l'état dynamique, je crois. encore plus cool. Oh ouais, t'inquiète, je les rends dynamiques.
Ça pourrait être sympa de pouvoir modifier les propriétés plusieurs trucs en même temps. Oui. Sais pas si c'est faisable. Pas encore. Un jour. Un jour, oui. Pas Ouais, un c'est... point neuf. Voilà. Après, tu peux toujours copier-coller le tile avec déjà les propriétés et ensuite changer son motif. Je pense Ouais, que dans éventuellement. certains cas, ça peut aller plus vite. Bon, après là, il y en a qui quatre savoir quoi. Je vois, ouais, effectivement, ok. Voilà, le problème que tu disais insoluble. Non, mais il me semblait qu'on avait parlé et qu'on avait dit que c'était pas forcément possible quoi. On n'avait peut-être pas encore eu l'idée de du Y order là. Parce que Merde, c'est c'est vrai pas que ça du juste coup. en jouant sur les Oui. couches, c'est galère. Vu qu'il y a plein de Ouais. tiles qui se chevauchent. C'est nickel ça. Putain. Tellement bon. Ah, on voit encore un tout petit peu. Gauche. C'est léger. C'est Ouais, mais bon, ça il faut c'est... vraiment le vouloir. C'est top. Enfin, je suis perfectionniste, hein, mais là... Ah ouais, moi, Ça va par être le rapport à cas ces trucs-là, dans... C'est le cas à je suis plein d'endroits du jeu. très très perfectionniste. Ça, c'est les petits détails, tu vois. Tu sais, je Non, sais pas mais si tu as le débat qu'on y avait a eu plein d'autres sur les objets. arbres, là. Ouais, je sais, mais... C'est merdique, hein, mais... C'est pareil avec cette torche, par exemple. C'est pareil avec des tas Ouais. d'objets. Ouais, je sais. Vaut mieux pas trop que je te les dise. Voilà, tu m'as pourri ma journée, là, tu Ouais, je sais. vois. Non, c'est bon, de toute façon, il y a un moment donné, voilà, ça peut pas être parfait, quoi. Ah, il manque le Là, son c'est des vachement bien, escaliers. quoi. Hein? Il manque le son des escaliers. Ouais, je sais. Je sais, ouais. Faudrait que je le remette. Ah, t'as le boss. T'as une feuille d'or dans la main. Il manque les socles des vases là. Quel? Ça joue à ça en... Ah oui, d'accord. Je vais les remettre Ah vite ouais. fait. Putain, j'avais jamais calé, putain. Pff, oh. Ah, Pourtant, je c'est suis passé... habituel, hein. J'utilise ces graphismes depuis 2001 quand même. Et les Je trous suis là, passé pourtant. les planchers fissurés, ils existent pas. Ah, si, ils existent. Ah là, d'accord. Il me renvoie dans la porte lui. T'as Quand je vraiment tombe été dans dans le la trou, il porte. m'a renvoyé à l'intérieur de la porte. C'est pas gentil Alors, ça. ça, c'est un problème de sensor. Ouais, je sais, je vais le corriger aussi. C'est un solide, il faut mettre un solide Une prime save, je sais pas d'or. quoi. Pas grand chose à corriger, ça. Et si j'oublie de prendre la Effectivement, prime d'or? bien vu. Je tente Bien de faire vu. bugger le jeu. J'ai tué le boss, mais j'ai pas pris la plume d'or. Ah, faut le retuer. Ok. Normalement, il va réapparaître. Je m'attendais pas Pas à ce qu'il appris. faille le retuer. Ah ouais, bah c'est normal, c'est logique pour moi. Il apparaît. Bah normalement les boss on les tue qu'une seule fois. Bah, dans les donjons ça marche pas Ouais, comme je... ça en tout cas. Si tu oublies de prendre le réceptacle de cœur et que tu reviens plus tard, tu devras pas Ouais, retuer c'est le vrai, boss c'est mais vrai. tu pourras quand même prendre le réceptacle de cœur. Ouais. Deux écoles, effectivement. Ouais. Ah, je sais pas, j'aime bien le fait qu'on le rebute. Le Moblin, c'est pareil, si tu prends pas toutou, tu sors de la caverne des Moblins sans prendre Ouais, toutou, tu ouais. dois reniquer le boss. Hein. Ok, moi ça me dérange pas. Non plus. Bon, alors je vais Après, ouais, déjà. dans les donjons, c'est un peu Je vais différent. Ouais. commiter ça. Et puis le problème de la porte. C'est cool que quelqu'un d'autre teste un petit peu parce que c'est vrai que nous on a la tête dans le guidon et tu vois, c'est des trucs. Ouais. Comment on va appeler ça?
Closes 281. Je suis pas dans la bonne branche. Magistral. Voilà. Puis alors, du coup, dans la même branche, je vais en profiter pour corriger les deux autres petits trucs. Ouais, fais ça dans la même branche. Si tu as envie de faire ça, Ouais, enfin voilà. une branche pour ça. Non, mais en plus, c'est lié, c'est le C'est que château dalle, quoi. cannulet. Ouais, c'est que dalle. Alors, Normalement, t'as. ici. Bah, si t'as un sensor là, pourquoi alors? Oh, bah attends, c'est peut-être pas le même, hein. Il y a peut-être plusieurs Alors, sensors. le sensor est mal foutu alors. Il manque une propriété sur le sensor, je pense. Mais attends, les histoires de socle de vase, peut-être que vous les aviez enlevés de tout le jeu, non? Peut-être que vous en vouliez pas. Comme il n'y en a pas dans le donjon, hein, je suis bête. Bah, je t'avoue que graphiquement là, comme ça fait un peu bizarre. Regarde voir Ouais, en fait, dans le donjon 1, il n'y en a pas trop, je crois. Ben, il n'y en a pas parce qu'on n'a pas le bracelet. Mais dans le donjon 2, ouais, il n'y a aucun socle, en fait. Donc, en Ah, fait, donc en fait, faut pas les mettre. C'est je voulu en vais. fait. Ouais, je pense que c'est fait exprès, du coup, Mais je vais parce que je rien trouve ça changer. moche en fait. En fait, ça va bien avec les trucs de Link to the Past, mais là, comme c'est vraiment un truc custom, Ouais. après on aurait pu faire des socles. Des socles custom aussi, mais. Par contre, ouais, regarde voir ce sensor si t'as la custom property Il s'appelle qui va bien. Sensor 1. C'est pas génial comme nom, ça, Sensor 1. Ouais, on n'a pas cherché à avoir les trucs super ouf. Attends, vas-y. Double clic de dessus. Ah oui, Save Solid Ground. C'est bizarre, il aurait dû me remettre là. C'est peut-être un bug. Ah ouais? Pourquoi t'as remis Ben ouais, je sais pas, c'est trop bizarre. Ouais, alors ça, c'est un bug à la Phoenix. Censé fonctionner. Est-ce qu'il est sur le bon layer? Ouais, je pense que oui, puisque de toute façon la porte s'est refermée derrière toi de toute façon. Ouais, bah oui. Donc il a bien activé le sensor. Alors là, je comprends pas. Normalement, il est censé retenir à cet état-là. Ah, tu fais ça, toi? Moi, je tape sur T pour passer au layer supérieur. Moi aussi, mais ça marchait pas. Ouais? À mon avis, il devait y avoir une différence de deux layers. Ah, c'est pour Tiens. ça, et donc du coup, il retourne direct. Autre Ok. énorme bug. Les deux les décorations là ne sont pas alignées. Ah si. Ah bah corrige, Elles ouais. sont alignées entre elles, mais elles sont pas les mêmes que ici. Elles sont pas centrées en fait. Je pense c'est comme ça qu'il faut les mettre. Ah ouais, putain. Après, c'est pas visible pour le joueur parce qu'il voit jamais les deux salles en même temps, mais je suppose que l'intention du mappeur était de centrer là. Ah oui. Ouais. Donc, Ma peur, c'est moi, ouais, donc ouais. on va corriger ça. Bien vu. Comme quoi, un œil un peu extérieur, ça fait du bien. Mais WTF, pourquoi il m'envoie là? Ouais, ça What? c'est pas normal, ça. Il va me toucher jusqu'ici, lui? Oh, mais meurs. Est bien chiant celui-là. Quatre cent 197, 0. Ouais, donc c'est bien là. Ouais, mais c'est peut-être un bug du script, hein, tout simplement. Bah oui, il m'a pas remis sur le sensor en fait. Save solid ground, ça se trouve.
C'est où qui fait ça? Save solid. Const un fichier. Unstable Floor Manager, je pense. C'est un truc manager, ouais, quelque part. Save solid grand ça. Solution manager. Alors, maps. Non. Comment j'ai dit Unstable Floor? Oui, c'est ça. Ah, bah, il y a Phoenix qui est là, justement. Ah, des commentaires. Yippee! Pas sûr que ce soit ça en fait, parce que c'est dans Sensor. Bah, Ah c'est le non, c'est sensor. attends, Bah, ça, c'est peut-être dans ce qui est du sensor, en fait, plutôt. il y a les deux qui se, je pense c'est un conflit entre les deux scripts, parce que le Sensor il fait un safe solid ground, mais le unstable floor manager il fait d'autres trucs. Après le séparateur, on fait un save stable floor position suivi de initialize unstable floor manager. Ah, donc initialize unstable floor manager. C'est Save bizarre, c'est la solid première ground fois qui que a je vois une ce problème. fonction. Qui retourne le last stable position, mais du coup après Ah ouais, mais dans les autres trucs que j'avais testé, il n'y avait pas forcément de unstable en fait. C'est peut-être ça. C'est le unstable floor manager qui déconne, je pense. Je suis sûr que si tu mets un trou normal, tombe dedans, fonctionne. Ah oui, c'est une entité custom unstable floor. Ouais, c'est un truc qui, en gros, t'as un timer en fait. Au bout d'un moment, ben, on laisse ce que t'as en dessous. C'est où qui se fait téléporter? Hein. Ouais, c'est quand il tombe. Parce que comme des Alors, trous normaux, hein. Non, attends. Si, c'est je quand vois même un pas en trou quoi normal en c'est, dessous. je vois pas en quoi c'est lié en fait. Moi non Le plus. unstable floor. En fait, non, c'est pas lié puisque en fait après il tombe normalement. Ouais, c'est un trou Si tu mets normal derrière. le... Ben, je suis con. Ouais, alors ça c'est bizarre parce que. Dans les donjons, ça marche très bien, quoi, ça. De quoi cette fête-là?
Ouais, si tu mets les trous comme ça là, est-ce que ça marche? Moi je pense que oui, mais... Non, tu vois, il me renvoie à l'entrée. Enfin, il me renvoie dans la porte. Ah donc c'est vraiment lié au système initial quoi. Il me renvoie même pas aux coordonnées où je serai juste après le séparateur. Il me renvoie un peu plus loin quand même. Si tu déplaces le sensor un peu plus haut, pas qu'il collisionne avec le... Je sais pas. Je voulais pas fermer le jeu, mais c'est pas grave. Ouais, qu'on s'assure. Parce que là où il se met, pour moi, c'est lié au séparateur. Donc il se fout totalement du sensor, mais pour être sûr qu'il n'y a pas un problème de coordonnées. Me semblerait bizarre. Faut que t'ailles activer le sensor. C'est normal ça, puisque t'as pas touché le sensor. Quoi? Là où il est, c'est normal puisque t'as pas touché le sensor, mais vas-y, va activer le sensor. Ah oui, mais j'aurais du mal à l'activer. Là, il est plus haut. Il est bien un peu plus haut. Il est juste à gauche des trous là. Ouais, Il y a non mais des. Abusive, Ouais. attends, faut être sur des corps, faut être sur ces coordonnées exactes. Ouais. Donc je l'ai bougé pour qu'il soit bien aligné maintenant avec la porte. Ouais, putain. Voilà, là je l'ai activé. Je vois tout en décalé. Ouais. Il s'en fout de mon Le sensor. boss s'est pas activé là, c'est pas normal. Oh bah j'ai Faut déjà activer tout ça. sauvegardé. J'ai déjà Ah oui! sauvegardé tuer le boss, j'ai pas envie de le retester. Donc il se fout totalement du sensor. Est-ce que le sensor est bien activé côté l'UA ou... Je pense que oui, non. 480, 227. Et ben c'est là où on le voit. Hein. Il sauvegarde pas la nouvelle position du second. Faudrait voir si le sensor est vraiment bien activé. Moi, je pense que oui. Attends, Sinon, c'est le quoi boss ça? serait pas déclenché tout à l'heure. If not hero.respawn. Respawn point saved, c'est quoi ce truc? Ah, c'est juste. Ok. À mon avis, c'est ça qui déconne, c'est qu'il est déjà flagué en fait, comme dit Phoenix. Du coup, il leur fait pas. Sort au bon endroit? Ah, c'est Non, parce que plus au c'est bon endroit. stocké sur le héros? Ok, donc c'est reset quand. C'est reset dans Separator Manager et dans Map. Ouais, parce que c'est pas... Ouais, effectivement. Je me permets de réindenter ça. Moi, je pars du principe que si on rencontre un sensor avec cette propriété, il faudrait quand même c'était quoi. Peu importe.
tant de sens et priorité par rapport au. Ouais, bah ouais. C'est par hasard, hein, de toute façon. Maintenant, ça, il se déclenche toujours pas là, alors que j'ai mis le print plus haut. Ah non, ça se trouve, il est pas activé le sensor. Le chimiste. Il s'appelle Sensor 1, mais il a comme custom property Save Solid Ground. Et bien actif au démarrage. Get property Save Solid Ground. Et on est bien sur le bon layer? Oui, bah oui, Ouais. layer 0. Parce que pourtant il existe, hein. On l'avait vu. Il est pas activé là? Pas un truc qui le désactive la map par hasard? Mais lol quoi. Get ouais, is enabled, ouais. Ah, il a tout. C'est quoi le délire? Mais alors attends, parce que là on est dans un machin meta Pas unactivated, faux, peut-être qu'il y a un ouais, autre sur meta, Unactivated. peut-être qu'il y a un autre meta Peut-être dans la map. écrasé. Peut-être écrasé le Unactivated. Ouais, je sais, c'est ta faute en fait. C'est Je suis un sûr Register que... Event qu'il faut mettre. Alors qu'à mon avis, on met un Unactivated tout court sur la map. Voilà. T'as utilisé le même Et sensor pour plusieurs choses, c'est ça le truc. putain. Ok. Désolé de ma vulgarité là. Mais... Non, j'aurais dû y penser plus tôt. Ouais mais non mais effectivement oui parce que ce qui est bizarre c'est que dans les donjons ça marche nickel quoi. Et effectivement alors en fait le truc c'est que je crois que ce sensor là il a été mis en place largement avant, enfin ça il est c'est vieux en fait. Et on Donc n'a déjà, faut pas pas dû l'appeler passer sur ce. sensor 1, faut l'appeler closed door sensor. Ouais, enfin ouais, si tu veux ouais. Et en faire un autre pour le respawn point. Ça évitera la confusion. Je vais mettre deux sensors l'un au-dessus de l'autre, c'est ça? Bah après, faut réfléchir à leurs coordonnées. Mais du coup, oui, ils vont se retrouver l'un au-dessus de l'autre, je pense, ouais. Oui, les coordonnées du sensor qui permet de respawner au même endroit. Hein. C'est là qu'on respawn, pas ailleurs. Juste devant la porte fermée, quoi. Putain. C'est pour ça que j'aime pas les noms de variables comme sensor 1, parce que on croyait que c'était un sensor qui servait à retenir la position du héros, mais non. Et là, il sert aussi à fermer la porte. Ouais. Et à allumer le boss, quoi, entre guillemets. Bah, c'est ça. Bah, enfin, tu aurais pu aussi garder le même sensor et me faire un Register Event, quoi. Il aurait fait les deux, non? Ouais, mais c'est source de bug ça, parce que le jour où tu changes ta position de respawn, en fait la position de C'est vrai. respawn, on pourrait très bien décider de la mettre là quoi, de la mettre juste à l'entrée de la map, mais quand la porte est fermée, ça marcherait pas non plus. Non, non, il faut le mettre Pour moi, c'est un au peu une même endroit. coïncidence, tu vois, que l'endroit où on veut y fermer la porte soit pile aussi l'endroit du respawn. Oui, Donc je c'est pas comprends propre que ça ta soit le réflexion. même, mais je suis Ouais. d'accord que ça marcherait. Ok. Ouais, c'est cool. Du coup, ça fonctionne là, moi. Ouais, ça a l'air de marcher. Donc maintenant je vais réessayer sans avoir tué le boss. Comment il s'appelle? Il s'appelle Enemy Group. C'est pas un groupe. On s'en fiche comment il s'appelle, il doit avoir une variable de sauvegarde.
Ah d'accord, il est pas sauvegardé. C'est juste le trésor Non, qui est sauvegardé. c'est par rapport au trésor. Faut que tu enlèves Golden Leaf Ok. machin et il va réapparaître. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait. Oui, c'est vrai, ouais. Golden Leaf 5. On considère qu'effectivement on n'a pas récupéré le trésor donc au Baston. Parti sans tondu, tant pis pour toi. False, nil, ouais. Oh La porte s'est bien fermée. là là. Ouais. Bah spoiler, j'ai même pas vu encore. Pardon. Mais je pense que si tu rafraîchis le stream, ça ira mieux parce que normalement il n'y a que 3 secondes de délai. Là, ouais, je T'as crois que j'ai peut-être 5 un petit secondes. retard. Ouais, 5 secondes, ça va, c'est rapide aussi. Ok. Après, ouais. Ouais, bravo, j'ai rafraîchi le Twitch, je me tape de la pub. Ouais, je suis pas abonné, moi. Ah, l'horreur. Ouais, c'est de la merde. Je regarde pas assez les trucs sur Twitch pour payer. Non, bah c'est Alors. cool. T'es productif ce soir. Qui se passe sur le site? Voilà, t'auras une merge request de plus. C'est 5 ou 4? 5. Mais ça, c'est bien top. Bon, la chaîne de toutou. Ouais, ça c'est C'est moi peut-être un qui peu me suis compliqué ça. assigné? Quelle drôle d'idée. Comment? C'est moi qui me suis assigné tout seul ce truc. Je vais me désassigner parce C'est que ça peut possible. être n'importe qui. Ouais. Je me permets de me désassigner. Vas-y, vas-y. Peut-être que ça sera moi quand même, hein, mais pas aujourd'hui. On verra, t'inquiète. Ok, donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça je me suis désassigné. Ça c'est pas Il fait, reste la ça c'est pêche, je crois que fait, c'est ça tout, en c'est fait. fait. Je crois que t'as fait tout le reste. Ouais. Pour le moment, quoi. Après, jeu du pêcheur, je crois qu'on peut fermer le ticket en fait, parce qu'il manque juste la fuite, ce qui est l'autre ticket en fait. Ouais. Jeu du pêcheur, tu peux le fermer en D'accord. Avec plaisir. fait. Parce qu'il y aura juste la fuite. Le rage, j'avais testé, c'était vraiment bien, ouais. Ça marche bien. Cool. J'ai passé plusieurs streams dessus aussi, ouais, je me souviens. Oh, mais ce sont les mini-jeux, c'est toujours un bordel. Ouais, et puis celui-là, il y a pas mal de... Enfin, il est compliqué. Heureusement que Grégoire, il a Grégoire a bien fait le aidé aussi, boulot. parce que c'est lui qui a fait Tu tous les m'étonnes. calculs de mouvement. Tu m'étonnes. Ha. J'adore ce projet. Pêche mon gars, ça ne te coûtera que 10 rubis. Non, vis ta vie, sois un peu plus motivé.
Ah cool, il y a les belles flèches maintenant, c'est vrai. Dans la boîte de dialogue. Ah oui, je les ai Avec rajoutés, ouais. gauche et droite, évalue la distance de ton lancer. Dès que le poisson est ferré, presse vite la touche action pour le remonter. Ah Après, je crois qu'il yes. y a encore des dialogues à modifier, qu'il faut que je repasse, mais... Voilà, le jeu de pêche, il classe quand même. Est-ce que je vais gérer le fait que si on laisse plus longtemps la touche action enfoncée, ça doit aller plus loin? Pas sûr. Je pêche. C'est génial comme jeu. C'est toujours pas corrigé l'histoire de. On peut utiliser les bottes de Pégase. Mais Nick, je. si tu nous entends. Toute façon, j'avais reporté, je sais qu'il y a une issue donc. Mais y a plein de soucis encore avec les salviou. Ouais, on peut utiliser les bottes de Pégase en pêchant. Là, je suis dans l'état trésor et je peux utiliser les objets, les bottes de Pégase par exemple. Ah. Pratique, hein. Quand t'as un Mais trésor, il s'en sert rien de pouvoir utiliser du tout en fait. je pense que pour la pêche, il faut aussi gérer le fait que, bah, il faut, comme il nous dit, on est censé pouvoir évaluer la distance du lancer. Et en fait, non, Ah là, ouais, il donc lance il manque toujours pile à la même distance. un truc. Ouais. Plus on appuie et plus ça va loin en fait, normalement. Ben, c'est avec droite et gauche d'après le dialogue du gars. Ouais, alors je sais pas si. Peut-être que le dialogue il est pas forcément bon en fait. Par rapport au gameplay du jeu de pêche. On peut le changer, hein. Enfin. Faut qu'on fasse le jeu au plus simple et on change à la rigueur le dialogue parce que. Côté droit, ça me paraît un peu. C'est bien pour Game Boy quoi, mais. Je sais pas. Ou alors faire trois distances possibles, selon que droite est enfoncée, ou gauche est enfoncée, ou aucun des deux. Ça serait peut-être plus facile comme ça. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'on peut quand, enfin, je sais pas si c'est faisable, mais quand on appuie sur une touche, plus on appuie sur la touche longtemps et plus on a une force faisable, ça, non? Avec un timer, je pense, non? Ouais, on peut aussi, ouais. Genre, tu évalues la durée du timer finalement à partir du début jusqu'à la fin, j'imagine, ou un truc comme ça, et puis en fonction, ça fait plus le timer est grand, plus ça fait de la distance, quoi. Ouais, y a peut-être moyen. Bon, c'est un gros sujet, ça. Script en pleine rage. Il m'a tous là-dedans. Pourquoi il fait un current fois 0,00? C'est la distance? Je sais pas trop ce que font tous ces calculs, mais à un moment il fait un fou, il multiplie quelque chose par 0, alors logiquement ça fait 0 le résultat. Ah ouais, pourquoi il fait ça? Sais pas. Le plus à la fin, effectivement, il sert à rien. On va peut-être lui demander s'il se souvient. Il fait plusieurs Alors mouvements. c'est Il un. fait un mouvement de target, ensuite un Ou alors mouvement c'est un oubli. straight. Et ensuite il y a un timer. C'est un algo de taré, ça déjà.
C'est quoi cette mauvaise? Ça sert à quoi ça? Ça oriente la direction du mouvement selon des coordonnées x et y, selon un vecteur. Oui, d'accord. Donc par exemple là, il le lance au début en direction de moins 200, moins 150. D'accord. Et après, ah oui, donc c'est un mouvement tout droit en direction de ce vecteur-là. Et ensuite, il change son mouvement toutes les 20 millisecondes. Faire l'espèce de curvation quoi. Change le vecteur en fait. Ouais. Il change la direction du Change le mouvement. vecteur toutes les 20 millisecondes en fait, ça fait un effet parabole quoi. Ouais. Alors, current, c'est quoi current? Mais current, effectivement, faut quelque Ouais, chose, c'est zéro ça. là, sans rien quoi. Ah, c'est juste le temps écoulé depuis le début du lancer. Mais là, ouais. Mais il est inutile. Et la fonction clamp, elle prend en paramètre d'abord min et max et ensuite la valeur. Ok. On voit bien que c'est un matheux, le gars. Donc là, il a. Du coup, ça c'est toujours égal à 0. Donc clamp initial x, C'est 0 toujours fois 0, initial quoi. x, ça fera toujours initial x en fait. Donc la direction du mouvement en x ne change jamais. C'est ça, en Ouais, c'est fait. plutôt logique. La vitesse, ouais, donc le vecteur vitesse, il ira toujours dans avec la même quantité de x. Et c'est le Ouais. y qui change. Mais là, on est d'accord que c'est que le changement de l'angle, là, donc ça change pas la distance. Ben, Si, par rapport au temps, si. c'est l'angle et la vitesse en fait. Ouais, c'est Plus ça, le ouais. vecteur est grand, plus la vitesse va être grande. Ouais, Même c'est avec le ça, en même fait, angle. d'accord. Tu peux définir un mouvement comme étant Potentiellement. un angle Ouais, et je une vois. distance, ou alors comme, comme un vecteur. C'est Et je vois le pareil. truc, ouais. C'est juste les coordonnées polaires ou les coordonnées cartésiennes. Et lui préfère les coordonnées cartésiennes. Pour changer pour ça aller plus loin, il faut changer le second paramètre là. Je pense, ouais, il faut faire diminuer le x moins vite ou plus vite. Current, c'est le temps écoulé, fois 0,5 pour le faire plonger. Moi, je vais pas tarder. Okay. Je vais multiplier ça par un autre facteur qui va être le... qui va dépendre de si on appuie sur espace ou pas. Entre 0 et 1, quoi. Que.
Faut qu'il soit à temps. En fait, je vais remplacer le 0,5 par un truc que je vais appeler push. Si on appuie sur rien, je voudrais que ça aille quand même moins loin. Donc Faut pas se peut-être... parler, faut que tu le mets à 0,5. parce que Et 0,5, genre, c'est tu déjà quand on a pas mal appuyé. genre, tu le mets à 6. Enfin, 6, je vais aller moins loin, il me semble. Que soit ce peut-être supérieur à 0,5, alors du coup, c'est l'inverse. Du coup, faut pas que j'appelle push en fait. Parce que si je mets 1, il va tomber plus vite. Pas si simple. Mais c'est Allez, au intéressant. pif. Va sortir de l'écran ton truc. Merde, c'est possible en plus. Je suis pas sûr qu'on ait vérifié les obstacles. En fait, on pourrait garder le même Y et changer quand même le X. Ça serait peut-être plus logique de changer le X. Ah oui, là, ça va loin, là. Je sais pas, j'ai pas vu quoi. En fait, le truc est sorti de l'écran. Enfin, il allait trop haut. Il est resté bloqué quand même. Et puis après, on l'a revu à la fin de l'écran. Ça va, il sort pas de la map quand même. C'est pas mal en fait, quelque part. Je vais pas sortir de la map alors, c'est bien. C'est la preuve qu'on touche quand même au bon truc, je dirais quoi. Après, il Ouais, va ça va. peut-être un peu haut le machin. Ah ouais. Mais ça a l'air de marcher, hein. Voilà, il a tout petit, tout merdique. Ouais, j'ai Et c'est appuyé pas pas mal hein, longtemps, finalement. il allait pas aller loin. Et Je trouve que moyen. le 1 de départ, il est bien. Le 0,2, c'est un peu violent. Je pense que, à mon avis, il faut être entre 0,2, entre Oui. 0,5 et 1, je pense. Bah déjà 0,5, il allait très loin. Donc en fait, je suis allé trop violent avec 0,2. Peut-être que 0,4 Ouais. maximum. 0,4, ouais. Même 0,8 déjà. On va essayer comme ça. Ça marche bien, ça, déjà. C'est cool. Ouais, c'est vrai que 1, c'est vraiment un tir de pitchounette, quoi. Le Mais mec, du coup, il arrive dans... il faudra aussi changer le dialogue pour dire que c'est pas droite et gauche qui contrôle la distance du lancer. C'est juste la durée de l'appui sur action. J'ai l'impression qu'on est en train de coder un Worms Armageddon, là. Là, je vais à fond. Je peux pas aller plus loin là. Attends, j'ai J'aimerais bien pas qu'il vu aille encore. un tout petit peu plus loin quand même. Voici 0,9. T'as appuyé sur la touche là? Ouais, j'ai laissé enfoncer à fond là. Eh ben c'est pas celui-là qu'il faut toucher, c'est l'autre, c'est le 04. Ben, c'est les deux. Parce que ça allait trop loin. Ah oui. D'accord, ok. Mais ça allait trop loin quand je laissais enfoncer, mais ça allait aussi pas assez loin D'accord, oui, pardon, ok. quand je laissais pas du tout enfoncer. Ouais, d'accord. Donc en 9, je crois que ça va. Je vois pas trop la différence entre 0,9 et 0,8, mais en tout cas c'est pas mal. Ouais. Ouais, c'est cool. Mettre c'est... Boum. Non, mais c'est bien, mais ça. Du coup, on changera le dialogue. Ouais, Appuie sur action. je vais le Je sais changer pas tout de comment on peut mettre suite. ça. Je sais pas comment on peut mettre ça, parce qu'appuie sur action, c'est jamais... C'est pas très sexy, quoi, mais... C'est moins sexy que les flèches. Ouais, c'est sûr. Déjà là-haut, on a un petit truc de force, là. C'est bien, ça.
Ça suffit, de toute façon. C'est quoi ça? Le dialogue est Il y a un merdique bug de là. dialogue, hein. J'ai vu ça, c'est Ah oui, quand ça tu veux rester. c'est le vieux bug que le script qui va à la ligne, il a pas pensé qu'il y avait des lignes qui pouvaient être des questions et donc faut Ouais, il me corriger le semblait qu'on script. avait corrigé ça avec Maître Grégoire. Ah bon? Je sais plus. Regardez où c'est dans. C'est dans Map. Une est énorme en récompense, je t'offre 20 rubis. Un autre essai, oui, non. Attends. Non, c'est un gros, et en plus il a un fragment de cœur. Je t'offre aussi 20 rubis, un autre essai. Et là, le C'est ça qui script, merde. il devrait exprès passer deux lignes après ça. Parce qu'il voit qu'après, il y a une question. Ah, vas-y, mets une tour à la ligne du coup, peut-être. Ouais, mais c'est le script qui est censé faire ça. Me Sinon, semblait pour les qu'il y avait traductions, les gens, ils des. vont se Il planter. me semblait qu'il y avait des raccourcis. Faire ça. Pour dire attention, après c'est une question. Il y avait un tag, une connerie du genre. Ah ben, Demandez à ok, bon, Grégoire. alors... Demandez à Grégoire. Hein. Je sais pas si c'est documenté quelque part, moi, je suis pas au courant, là. Ouais, non, non, Bon, en tout cas, je vais changer le dialogue initial le qui doit être dialogue sur la initial, il est map. pas là. Il est sur la map house, non, out, maybe village. Je te raconte. Oui, c'est dans out, maybe village, c'est Fishman. Bah, Euro left, là, il est là. Avec la touche action, alors on va mettre. Je sais pas ce qu'on va mettre d'autre. Appuie sur la touche action pour évaluer la distance de ton lancer, peut-être. Action Appuie sur pour la touche évaluer. action plus ou moins longtemps pour évaluer la Ouais. distance de ton lancer. Dès que le poisson est ferré, presse vite. Encore la touche action pour le remonter. C'est top. Du coup, il y a une répétition. Je vais dire presse vite à nouveau la touche action pour le remonter. Ouais, il faut adapter de toute façon. Ouais. Voilà. Après, il y a un petit problème quand même, c'est que si j'appuie à répétition, sans laisser enfoncer, mais que j'appuie, je lâche, ça fait des saccades sur le mouvement du hameçon. Donc en fait, il faut que je touche plus au fall factor. Une fois qu'on a lâché la touche action, il faut plus que j'y C'est touche. fini quoi. Ouais. C'est le factor il reste figé. Ouais. Ok, à mon avis, il faut un petit booléen ou un truc. Ah non, ou alors. Uncommon released, if Si on state. remarque que fall factor est différent du truc initial, peut-être, je sais pas. C'est si on lâche la touche action alors qu'on est dans le state launching. Alors là, on va faire un truc. Est-ce qu'il neige ou pas?
on va essayer ça. Okay, pour l'instant ça marche pas, il fait toujours la distance minimale. Ouais, je vais te laisser Chris par contre. Ouais, bonne soirée, de toute façon je vais bientôt arrêter aussi. Ok, ça marche, bonne Ciao. soirée et puis bonsoir Toi tout le aussi. monde. Ouais. Ciao. Merci. Non, je veux pas aller là. Ça semble mieux. Ça marche pas top quand même. En fait, je peux faire beaucoup plus simple. Je peux l'initialiser à 0,4. Enfin, à 0,8. Si la touche action est pressée, je le mets à 0,4. Non, plutôt l'inverse, j'initialise à 0,4, c'est-à-dire qu'il tombe pas beaucoup. Si la touche action est pressée, je mets 0,8. Je galère, il est trop tard là. C'est if not. Voilà. Si on lâche action, on repasse à 0,8. Et en fait, on ne change plus jamais après, quoi. On reste à 0,8. C'est juste ça que je voulais faire. En plus, c'est bien plus simple que le code précédent. Ok, là ça a bien marché. Je vais le laisser enfoncer assez longtemps. Et là j'ai laissé enfoncer au minimum, donc c'est bien.
oreille. Et la moitié. Bon, le mouvement est peut-être pas parfait, mais l'idée est là. J'ai pas mis 0,9 en fait tout à l'heure. Je sais plus. Ah mais non, c'est l'autre. 0,4, c'est le 0,4 qui contrôle ce côté-là. Si je veux qu'il aille plus loin, il faut que je mette 0,3 par exemple. On a vu qu'avec 0,2, ça allait pas du tout. Ça allait beaucoup trop loin. Donc je vais essayer 0,3. Ah, c'est cool, là, ça va méga loin. Allez, on va s'arrêter là. Ça se dit more or less fort. Ça fait bizarre. Allez, encore une merge request et puis on va s'arrêter là pour ce soir. C'était cool, on a bien avancé sur tous ces tickets. On se retrouve une prochaine fois pour d'autres streams de live making, live coding. Le prochain sera peut-être sur Solarus lui-même, du C++ à nouveau, ou bien sur Children of Solarus, ou sur Onilink Begins, on verra bien. En attendant, encore merci à toutes et à tous, et à bientôt. Ciao, ciao!